Stéphane Barça. Je suis Stéphane Barça. Vous étiez commissaire pour cette exposition. Donc, quel était le choix qui vous guidait pour créer cette exposition? L'idée, c'était de présenter pour les 150 ans de la naissance de Bax un choix d'œuvres très célèbres, inédites ou rarement vues à partir des collections privées ou de l'Opéra de Paris ou de la Bibliothèque nationale ou des autres musées parisiens. Bax a fait 3000 œuvres. Ici à Paris. Ah oui, bien sûr. Là, c'est un petit choix. Parce que nous avons vu avec M. Alain Barça. L'exposition à Moscou, au musée Pushkin, où là-bas c'était beaucoup plus vaste, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai posé au début cette question, qu'est-ce qui vous a guidé, parce que vous n'avez pas beaucoup de place, si je comprends bien. On a quand même beaucoup de place, on a 150 œuvres, c'est beaucoup pour une exposition. Ce qui est important, c'est pas le nombre d'œuvres, c'est la qualité des œuvres. Et là, on présente pour la première fois des œuvres que personne n'avait jamais vues. Lesquelles, par exemple? Vous avez par exemple un portrait de la princesse Soussinie du Singe, personne ne l'avait jamais vu. Vous avez une grande œuvre de l'Oiseau de Feu pour le ballet de Stravinsky que personne n'avait jamais vu. Quelles sont d'autres raretés qu'on peut voir ici? Il y a une énorme foule autour de nous qui nous bascule. Mais ça, c'est la rançon du succès. Hein. Oui. Donc. Allez-y, oui. Oui, donc je disais, il y a le tutu de Pavlova, il y a des tableaux spectaculaires pour Daphnis et Chloé, pour l'après-midi d'un faune, et toutes les créations légendaires des ballets russes. Et puis il y a une partie à part consacrée aux influences de Bach. Oui. Par exemple, je vois ici le défilé Chloé, fait par Karl Lagerfeld. Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus? Oui, ce qui est intéressant avec Bach, c'est quelqu'un qui a influencé tout l'art de la mode jusqu'à nos jours, avec des gens comme Saint Laurent, Vivienne Westwood, Christian Lacroix, John Galliano. Donc c'est quelqu'un qui reste une référence vivante pour les créateurs de mode, comme il a été lui-même inspiré par les grands modèles. C'est quelqu'un qui aujourd'hui inspire les créateurs vivants. Jusqu'à nos jours. Est-ce que vous pouvez dire sur les liens de la famille, moi je les connais, mais c'est pour nos lecteurs, de la famille Barsac avec Léon Bax? Oui, André Barsac, mon grand-père, a été le dernier disciple de Léon Bax, et il a épousé sa nièce, Mila, et donc le flambeau a comme ça pu continuer, puisqu'André Barsac était un grand homme de théâtre, et le théâtre a été une passion dans ces deux familles sur un siècle. Merci beaucoup. Merci.